ilusión no se puede medir. La gloria no se puede olvidar. La rendición no es una opción. Eh bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, très heureux de vous retrouver dans cet épisode 3, le début des groupes de Ligue des Champions. Le tirage au sort a été donné, il ressemble pas à celui qui est dans la réalité, qui est peut-être un peu plus compliqué. Porto, Salzbourg et Ferencváros, ce sont les trois équipes qu'on va affronter dans ce groupe-là. En vrai, à part Porto, ça dépendra de nos résultats face à Salzbourg, et normalement on est censé prendre un maximum de points face à Ferencváros, même si ça peut être l'équipe piège. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, et ben voilà. Voilà, je vous l'avais dit, cette carrière, c'est un faux facile, c'est un faux challenge, ça sera plus compliqué que prévu. Ok, on a perdu City, mais derrière, je perds Mallorca 4-1. Je l'ai mis sur Twitter tellement ça m'a fait rager, j'avais mis l'équipe type. Navas, Nianzou, Ramos, Acuña, Fernando, Oliver, Gibrisso, Suso, je n'ai pas compris cette défaite. Et derrière, il y a eu un enchaînement de blessures qui ont fait que tous mes milieux se sont blessés. Rakitic s'est blessé, Fernando s'est blessé, Soumaré s'est blessé, Gibrisso s'est blessé et Gudelge revient de blessure. Donc j'ai dû bricoler avec Oliver Torres en milieu centre. Enfin, c'est chaud. On s'est quand même rattrapé avec la victoire 3-1 face à Almeria. Rafa Mir, Badé, Suso. On a battu Getafe 5-2 chez eux, Ramos sur penalty, Juan Jordan au Campos est doublé de Luque Bacchio et j'ai fait 1-1 contre Las Palmas qui était un match assez compliqué même si j'ai loupé un penalty tiré par Rakitic. On va commencer Salzbourg et on va faire Valence dans cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais un petit peu moins dynamiser les matchs histoire de voir plus d'action, de voir un peu plus de choses. C'est vrai que la dernière fois, j'ai envoyé du lourd et j'ai peut-être un peu trop cuté. Mais voilà, j'essaie de quand même de garder un format. Oh non, Oscar Gluck, dans ma partie avec l'Ajax, il m'avait détruit. Donc ça va être chaud. Et moi, je vais partir avec El-Neziri, Ocampos, Luque Bacchio, Oliver Rakitic, Fernando. Ça fonctionne bien. Avant, je jouais avec un 10. Mais j'ai inversé en fait le triangle du milieu. On va essayer comme ça. Tant que pour l'instant, j'ai pas de milieu offensif supérieur. Et Oliver Torres, elle a cette polyvalence de pouvoir jouer ici. Allez, c'est parti. La musique. Envoie-moi la musique de la Ligue des Champions. Il y a Karim Konaté, je l'ai dit. Il y a Gluck, il y a Fernando. Il y a Nicolas Capaldo aussi. Oumar Solé, Strahinja Pavlovic, Amar Dedic. C'est pas dégueu comme équipe. Vraiment. Mais on est à la maison. On est à la maison, on est l'UFC Séville. On doit remporter ce genre de match. Eh oui, tout à fait, Bichente, moi, quand je vois un second poteau, bah là, oh. J'ai pas imité Margoton. Je ne sais pas imiter Margoton, c'est pas grave. Les Biris Norte sont en train de chanter. J'ai passé beaucoup de temps aussi avec mes recruteurs en train d'établir des longues listes. Oh non, pas maintenant. Ça va tourner au cauchemar. Benito Mendilibar à la douche. Ah, je rigole, mais en vrai, je rigole pas. Hein. T'appelles Ramos et Nianzou. Le mec est tout petit, il a sauté entre les deux. Nous, on n'a pas bougé, on a les pieds cloués au sol, claqués au sol même. Une occasion, un but, et Dimitrovic, c'est la passoire, tu pourrais goûter des pâtes avec, ça serait pareil. Et Nyland, c'est la même, on mettra Nyland face à Valence. C'est pas Nyland, c'est Nigloland. On est zéro, voilà. C'est quoi ce match? La carrière plaisir, elle est où là? Il n'y a pas de plaisir. J'ai changé de tactique, je joue en tiki-taka.
offensif avec possession du ballon, intensité, passe court, tac tac, zéro occasion. Ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur pour la suite. Comment je peux, avec une équipe comme ça, à la maison, hein. Si je bats pas Salzbourg à la maison, contre Porto, je vais me faire éclater. C'est trop ce qu'on est en train de prendre, c'est trop. Nesiri, qu'est-ce que tu fous là, frérot? Qu'est-ce que tu fous là? T'es attaquant avancé. Bien joué. Rakitic, Marcos Acuña. Acuña, bien joué. Rakitic, Oliver Torres. Dodi, légalisation, Luke Bakio. Je sais même pas quoi faire. Honnêtement, on s'arrête deux secondes. Quand je vois ce banc, je ne sais pas qui faire rentrer. Marcao, il est pas meilleur. Suzu, à la limite, mais Luke Bakio, voilà. Yanuzaï, c'est même pas la peine d'y penser. Mariano, bof. Juanlu Navas, un peu de jeunesse. Derrière, c'est blessé. Bon, on va faire rentrer Mariano. Ça me plaît pas. Cette équipe me plaît pas. Me fait pas rêver. T'as pas de, voilà, moi, les petites étincelles, c'est Ocampos, c'est Rakitic, c'est Oliver Torres. Et c'est tout. Allez, les gars, là. On essaye de mettre l'ambiance parce que ces supporters-là, ils n'ont jamais déchanté. Ces supporters-là, malgré les difficultés, c'est incroyable. L'ambiance dans les stades est incroyable. Et ils n'ont jamais lâché. Alors que nous, on a lâché. Voilà. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant, entrée de Suso. Suso la met là. Ouais, c'est tout. Hein. Pas d'option. Là, on mérite clairement cette défaite. On mérite la défaite. Je vois pas. Voilà, on a une équipe en place, en face, une équipe jeune, une équipe qui a du talent. En vrai, elle fait plus rêver l'équipe de Salzbourg. Hein. Je suis désolé. Ah là 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 là. Moi, je n'ai pas apprécié le résultat, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas apprécié le résultat pendant que Porto est allé gagner de l'autre côté. Là, c'est vrai que ça fait pas plaisir. Et bon, Oliver Torres a plutôt bien joué, c'est pas mal. Et l'arrivée d'Aritz Aduriz en préparateur de Séville Atlético, qui est mon équipe B. Il faut savoir que les équipes B en Espagne peuvent monter jusqu'en deuxième division. Ça peut monter jusqu'en deuxième division. Actuellement mené par Riron, il y a l'Espagnol, il y a quand même de belles équipes. Il y a Andorra, il y a Santander, Saragosse. Il y a Villarreal B, qui est la plus grosse des équipes B, du coup, qui est la seule équipe B de cette deuxième div. Et ensuite, la troisième div, elle est divisée. C'est la Prima Federación, qui était en troisième division, était divisée en trois groupes. Le groupe juste ici, le groupe là, où il y a l'Atlético B, il y a la Castilla. On a vu que dans le groupe d'avant, il y avait la Masia. Et ensuite, il y a la troisième division, la Segunda, qui est encore divisée en plusieurs groupes. Je crois que c'est en quatre groupes. Et nous, on a le groupe 4 avec Sevilla Atlético ici. J'espère les faire monter au moins en troisième, voire en deuxième div, ça serait bien. Ouais. Donc voilà l'état de Séville actuel. Vraiment, c'est pas ce que j'attendais. Je me suis dit, bon, peut-être que sur Séville, enfin sur FM, ça sera toujours bien noté, mais en fait, non. En fait, c'est compliqué, tout aussi compliqué que dans la réalité, et j'espère qu'on va vite inverser la tendance dans cette carrière. Alors, j'ai dit que je mettrais Nyland, on va mettre Loïc Badé, Navas, Pedrosa, Gudelj qui récupère son poste, Soumaré est très bon, Soumaré, Carriero, Soumaré, Rakitic, Campos, Suso, Nesiri, mais bon... Pour moi, là, je mets la max, hein. Pour moi, je mets la meilleure équipe possible compte tenu des formes. En face, c'est pas dégueu. C'est pareil, c'est une équipe qui est en reconstruction. Valence, c'est des grosses difficultés en Espagne. Et eux aussi ont eu des difficultés financières et ils ont eu la chance, entre guillemets, d'avoir sorti une belle génération de jeunes. Je veux pas dire de conneries, mais je pense que Douro s'est formé à Valence, Fran Pérez s'est formé à Valence, j'ai vu Guillamon s'est formé à Valence ou à Villarreal. Ils ont eu une grosse génération, en tout cas bien formée du côté de Valence, ce qui manque un peu à sa vie, parce qu'à part Juanlu, on n'a pas sorti de gardien, on n'a pas sorti d'attaquant depuis un moment. Hein. Le dernier gros vendu, c'est Brian Rill. Et Brian Rill, il a 26 ans. Hein. Le dernier gros qu'on a sorti est bien vendu. Allez, match à l'extérieur. C'est pas évident, hein, ce genre de match-là.
C'est souvent des points compliqués à aller chercher, mais ça serait très satisfaisant. Et ça nous ferait souffler aussi d'aller chercher 3 points à Valence. Hein. Faut sauter, les gars, faut sauter. Hugo Duro. Bien joué, Anesiri. Attends, j'ai pas le bloc bas. Hein. On a la défense qui a un bloc haut et les attaquants qui ont un bloc médian, ce qui resserre. Ah, ben oui. Dans la bêta, j'ai joué avec le Cerezo Osaka. J'ai joué avec Toulouse. J'ai joué avec l'Ajax. Je sais plus avec qui d'autre j'ai joué. Et c'est Séville avec l'équipe avec laquelle j'ai le plus de difficultés. J'aurais tout imaginé sauf ça. Je suis aux abois. Je suis rincé. C'est dramatique d'avoir si peu d'occasions. Vraiment. En tiki-taka offensif, quoi. En tiki-taka offensif, avec des mecs comme Rakitic, Ocampos. Allez, Suso, penalty, oh! Penalty, là, bordel de merde. C'est Ramos, hein. C'est Ramos. Le spécialiste. Yes. Il va finir meilleur buteur du club, à force, hein. Sergio Ramos qui égalise juste avant la mi-temps et qui va nous donner un petit peu d'air, mais dans le jeu, c'est dégueulasse. Dans le jeu, je vois rien. Je vois rien qui me plaît. Ça y est, un truc. Un récup, un volanté assez bas. Ici, on va avoir plutôt une tâche de soutien. C'est comme ça. Je la veux, la victoire. Je la veux. Je la veux, cette victoire. Et parfois, j'ai l'impression que le 4-2-4 est bien. Surtout dans ce genre de situation, on a 64% de possession, mais on n'a pas d'occasion. Je veux des occasions, je veux mettre en danger cette équipe de Valence qui pour l'instant gère très bien et c'est eux qui font tout. Ah, mais horrible. Je suis désolé de vous proposer ça. C'est pas du tout ce que je veux et en tout cas, j'espère que ça va prendre parce qu'au moins on verra un avant-après. J'arrive pas dans une équipe qui roule déjà sur tout. Alors c'est bien pour le RP, c'est bien pour le suspense, c'est bien pour la suite de la carrière, mais moi ça me plaît pas du tout là. Ça me fait mal de voir une équipe jouer comme ça. À moins que Mariano, Mariano, Mariano. Oh non, il avait tout fait. La malédiction se poursuit. Oh Mariano. On est cramé derrière. On est cramé. Juanlu. Fernando à la place de Goodelge. Et Luque Bacchio à la place d'Ocampos. Pour les dernières minutes. Non, on va faire un partout. On va faire un partout, eh ben putain, c'est pas folichon, hein. Sur penalty, ça veut dire qu'à part le péno, on a servi à rien. Vivement que la machine se mette en route, on est dixième, voilà, on est qu'à 3 points du haut du tableau, objectif Ligue des Champions, objectif top 4. Donc les dirigeants, ils vont être assez chauds à gérer, je suis en train d'observer tellement de gardiens. Je vais montrer vite fait. Ça, c'est toute la liste que j'ai déjà préparée. Il y a des gardiens, il y a plein de défenseurs, il y a beaucoup de joueurs que vous connaissez, que j'ai mis sur Twitter en tant que joueur à suivre. Alors, à la fois, il y a des jeunes, il y a des joueurs un peu moins jeunes hein, qui peuvent apporter, comme Carles Aleñá, qui vaut 5 millions. Pas mal de joueurs espagnols. Hein. C'est pareil, Fran Beltran, ça peut être des qualités que je recherche. Parce que Soumaré, c'est bien beau, mais l'option d'achat, elle est à 15 millions. 15 millions sur Soumaré, donc on va voir. Et Nesiri est observé par des clubs de première ligue, donc il y a moyen. Moi, tu m'envoies une grosse offre, je laisse partir. Hein. Donc on va voir. En tout cas, voilà, on va garder la face, on va garder la bonne humeur. Il y a encore du travail. Il y a une équipe du Celta de Rayo Vallecano. Ensuite, on va jouer Porto à l'extérieur et je vais essayer de bien avancer pour vous retrouver et faire peut-être voilà, mettre l'équipe bien en place. Et quand ça jouera un petit peu mieux, on fera le prochain épisode. Parce que là, c'est le néant. C'est le néant complet. Bon, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.